Sous vos applaudissements, évidemment. L'humiliation. Et elles ont préféré le suicide
que la domination. Et ce soir, je rends hommage à Katega Mabot et à Djumbo Djumbo, les reines africaines du Wallon qui ont rayonné l'Afrique. Merci de leur attribuer un maximum de bruit. Katega Mabot. Vous êtes là? Comme ça, tout le monde, Paris! En 1846, la reine du Wallon, Nathalie Lamboj, fut intronisée dans la cour royale et accède au trône. Elle constitue la force de résistance face à l'oppression, contre toute forme de domination et de soumission. Elle savait aussi bien gouverner, mais elle savait conduire son armée. Cette armée de 500 femmes vaillantes et courageuses ont piétiné plusieurs fois les troupes belliqueuses. Elles ont été ensuite vaincues par l'ennemi suite à une grande supériorité numérique, mais aussi à l'effort de guerre fourni. Je vous avais promis que j'allais vous prouver aujourd'hui nos femmes constituant le socle de notre vie. Car ce fut en 23 mai que Nathalie a signé l'acte de décès du répit. Et aujourd'hui, on est le 23 mai. On vous dit souvent que la femme africaine occupe une place subalterne, alors que dans un passé lointain, elles étaient déjà nos reines. Il a fallu attendre 90 ans pour que les USA accordent le droit de vote aux femmes, alors que nos reines avaient déjà connu les flammes. Elles ont connu les flammes. Je rends hommage à tous les gens du Wallon, du Caillon. Paul, Christine. Merci. Monsieur Guy.